les aide par le sport, donc par le basket. On dispense des entraînements un petit peu, donc des entraînements où on leur permet de se reconnecter avec leur corps et de toucher un petit peu au basketball pendant donc 6 mois. Voilà. Les entraînements le lundi et le jeudi d'une heure et demie. Du coup, vous pouvez nous contacter et vraiment c'est libre. On n'a pas créé une association pour qu'elle devienne quelque chose de spécial. On a juste envie de lancer la voie un petit peu pour que tous les clubs de basket, pourquoi pas, aient une équipe sport santé. Je sais que ça se fait, je sais qu'il y a un programme qui est lancé par la fédération déjà, mais qui est très peu actif finalement. On aimerait que ce soit obligatoire qu'il y ait une équipe sport santé. Aujourd'hui, on voit un petit peu l'évolution de la vie quotidienne et je pense qu'on toucherait un grand nombre de monde si on fait ça avec le basket. Déjà, il y a les premiers, les résultats les plus simples à voir, donc les corps qui changent, une évolution physique, puis très vite une évolution aussi fonctionnelle donc, de notre équipe. Voilà. Et ensuite, on a vu aussi des gens sortir de l'isolement, avoir plus confiance en eux, se sentir revalorisés et appartenir à un groupe, faire partie d'une équipe. Ce sont des valeurs qui sont très importantes et qui tend à sortir de son isolement. On ne reste pas dans un cadre où on est toujours en train de parler de la maladie ou autour de la maladie, on fait autre chose.